Bonjour à tous, alors voici Pixel, je vais le peser. Donc comme vous pouvez le voir, vous ne le voyez peut-être pas. Donc voilà, le petit grandit. Donc voilà, il pèse 10 grammes. Il chasse tout seul. Donc, il arrive bientôt à ses 6 mois. Et donc, je vais le passer dans un terrarium plus grand. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. J'ai juste un tout petit peu peur au niveau de la chasse. Je vais le passer dans son terrarium Exoterra 62 hauteur, 45-45, en espérant que c'est le bon moment. Pour moi, je pense que oui, parce que dans son petit terrarium, ben, tout simplement, j'ai l'impression qu'il veut plus trop bouger. Est-ce que c'est la période juste, est-ce que c'est juste la période un peu de latence qu'il a? Voilà, je vais le laisser un peu aller sur le support. Ou est-ce que c'est la période un peu fraîche? Je ne sais pas. Donc, je verrai demain. Quand je vais le mettre dans son terrarium, voilà, j'ai fait quelques petites nouveautés. Je ne vous en dis pas plus et vous verrez ça sur vidéo. En attendant, ben voilà, je vais le remettre dans son terra et je suis super content parce qu'il a bien évolué. Donc salut, salut. Futur terrarium de Pixel pour ces 6 mois. Ben voilà, il est assez grand maintenant. Je pense qu'il peut aller dans le terrarium. Donc les valeurs sont idéales. Donc c'est-à-dire qu'il fait entre 20 degrés au point froid et 21 degrés la journée. Il y a 88% de pics d'activité le matin et le soir. Là, je viens juste de pulvériser, c'est pour ça que c'est si haut. Sinon, la journée, le temps que ça sèche, c'est entre les 60 et les 70%, ou les 60 et les 70% pour les autres. Donc voilà, j'ai mis une petite cachette. J'ai laissé ces deux plantes de terrarium. Et donc ce soir, il va enfin pouvoir aller dans un plus grand terrarium. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc moi, je vous laisse.